5 remèdes naturels pour lutter contre le psoriasis des ongles. La peau se renouvelle de manière constante. Cependant, tout excès peut aussi être négatif. En effet, un renouvellement cellulaire plus rapide que la normale peut avoir des conséquences fâcheuses et nuire à notre santé. Découvrez aujourd'hui dans cet article 5 remèdes naturels pour lutter contre le psoriasis des ongles. Malgré sa fréquence élevée et son retentissement parfois important sur la qualité de vie, le psoriasis des ongles ou psoriasis onguéal est souvent négligé. Pourtant, l'atteinte de l'ongle est présente dans la moitié des cas de psoriasis. La prévention est toujours la priorité et c'est pourquoi les remèdes naturels sont la première bouée de sauvetage vers laquelle vous pouvez recourir. Ces remèdes naturels vous apporteront du soulagement et de la tranquillité si vous souffrez du psoriasis des ongles. Le psoriasis est un exemple clair des excès biologiques qui entraînent une maladie qui, sans être particulièrement dangereuse ni contagieuse, peut être douloureuse et difficile à traiter. Par conséquent, nous allons aujourd'hui dans cet article vous parler de 5 remèdes naturels qui peuvent vous aider à traiter le psoriasis des ongles et à soulager les symptômes de cette maladie. Qu'est-ce que le psoriasis des ongles? Étymologiquement, le psoriasis vient du grec psora, dont le sens signifie démangeaison. Les cellules mortes qui se trouvent dans l'épiderme, qui est la couche externe de la peau, sont remplacées par de nouvelles cellules. Ce processus a lieu environ tous les 30 jours. Cependant, lorsque ce renouvellement s'accélère plus que la moyenne, alors se produit ce que l'on appelle le psoriasis. Cette maladie provoque des rougeurs sur la peau ou des écailles. Celles-ci engendrent généralement des douleurs et des démangeaisons, qui peuvent même souvent affecter les ongles. Le psoriasis des ongles ou onguéal se définit comme différentes anomalies qui se produisent sur les ongles des mains et des pieds. La plupart du temps apparaissent de petites dépressions qui ressemblent à des trous de dés à coudre, des décollements ou des effritements, une décoloration, un épaississement ou des stries sur les ongles. D'autre part, les lésions de psoriasis sur les ongles sont normalement plus fréquentes sur les mains que sur les pieds. Cependant, très souvent, ce sont les seuls signes de psoriasis chez une personne affectée par cette maladie. Caractéristiques du psoriasis des ongles. Parmi les caractéristiques les plus fréquentes du psoriasis sur les ongles, nous pouvons citer, entre autres, des creux ou des marques sur les ongles, comme s'ils étaient perforés par une aiguille. Épaississement de certaines zones de l'ongle ou même de l'ongle complet. Taches jaunes ou roses sur la partie distale ou saillante de l'ongle, pouvant provoquer un détachement de la zone latérale, partie de l'ongle. Perte de brillance et apparition d'aspérité ou de rugosité sur l'ongle. Destruction de l'ongle qui produit une poussière comme de la sciure de bois sous l'ongle. Fragilité des ongles affectés par le psoriasis. Comme la croissance des ongles est généralement lente, il est fréquent que les personnes affectées par le psoriasis des ongles se découragent de ne pas voir de résultats rapidement. Le traitement de cette maladie nécessite de la patience avant de noter les premiers résultats d'un traitement médical. La prise en charge de ce type de psoriasis de l'ongle doit se réaliser par un contrôle médical régulier pour éviter d'abandonner le traitement.
de manière complémentaire au traitement médical. Il existe également des remèdes naturels qui peuvent vous aider à réduire les symptômes du psoriasis des ongles. Dans ce but, nous vous présentons à présent plusieurs remèdes naturels pour lutter contre cette maladie. Mesures préventives pour diminuer la fréquence des crises de psoriasis. On ne connaît pas encore de moyens pour prévenir le psoriasis. Il est toutefois possible de diminuer la fréquence et l'intensité des crises. En plus du suivi minutieux du traitement prescrit, il est possible d'observer ce qui déclenche l'apparition des symptômes. Ces deux démarches demandent du temps et de la patience. Voici quelques conseils généraux. Durant une longue exposition au soleil, il est conseillé d'utiliser un écran solaire efficace. La consommation d'alcool doit être grandement diminuée, voire totalement éliminée. La gravité du psoriasis est souvent en relation avec le nombre de cigarettes fumées. Essayez de réduire le tabac ou de ne plus fumer. Certaines personnes atteintes voient leur maladie s'atténuer considérablement après avoir perdu un peu de poids. Envisagez de modifier certaines habitudes de vie en conséquence si nécessaire. Il est reconnu que le stress joue un rôle dans l'apparition ou l'exacerbation des crises de psoriasis. Trouvez des solutions pour mieux gérer le stress. 5 remèdes naturels pour lutter contre le psoriasis des ongles. Les traitements spécifiques pour éliminer le psoriasis des ongles ne sont généralement pas satisfaisants. Ceux-ci sont, de plus, généralement destinés aux cas dans lesquels il existe une détérioration fonctionnelle ou qui affecte considérablement la partie esthétique de l'ongle. Cependant, il existe plusieurs alternatives naturelles que vous pouvez utiliser chez vous pour combattre les effets du psoriasis sur les ongles. Découvrez-les tous. 1. Crème avec de la vitamine D pour lutter contre le psoriasis des ongles. La vitamine D contient des propriétés anti-inflammatoires et favorise la cicatrisation des ongles endommagés. Par conséquent, les crèmes ou les lotions contenant de la vitamine D seront les plus recommandées pour traiter les ongles atteints de psoriasis. De quoi avez-vous besoin ? Une crème contenant de la vitamine D. Que devez-vous faire? Frottez la pommade ou la crème à base de vitamine D sur l'ongle affecté par le psoriasis pendant environ 5 minutes. Appliquez le traitement entre 2 et 3 fois par jour jusqu'à l'amélioration de l'ongle. De même, il est conseillé de consommer des aliments contenant de la vitamine D pour que le processus de guérison se déroule aussi depuis l'intérieur. 2. L'aloe vera pour lutter contre le psoriasis des ongles. L'aloe vera est une plante célèbre pour ses nombreuses propriétés médicinales. En outre, elle est facile à obtenir, ce qui en fait l'un des remèdes naturels les plus populaires. D'autre part, son utilisation pour le traitement du psoriasis des ongles est relativement simple. Grâce à son action régénératrice qui aide à soigner et à nourrir les tissus endommagés, l'aloe vera permet de réparer les ongles en profondeur. De cette manière, l'aloe vera empêchera la desquamation des ongles affectés par le psoriasis et leur procurera un soulagement et une fraîcheur immédiate. De quoi avez-vous besoin ?
une tige d'aloe vera fraîchement coupée. Que devez-vous faire? Étalez le gel de l'intérieur de l'aloe vera sur les ongles affectés par le psoriasis. Puis, laissez agir les propriétés de l'aloe vera pendant environ 30 minutes. Une fois le temps écoulé, lavez soigneusement la zone affectée et séchez vos mains. Vous pouvez également extraire la sève de la tige de l'aloe et l'appliquer directement à la surface des ongles affectés pendant la nuit. N'oubliez pas de bien vous laver les mains et la zone affectée par le psoriasis des ongles le lendemain matin. 3. Solution de sel d'Epsom pour lutter contre le psoriasis des ongles. Pour compléter certains des traitements conventionnels utilisés par la médecine traditionnelle afin de traiter le psoriasis des ongles, vous pouvez aussi utiliser les sels d'Epsom. Il s'agit d'une solution maison qui consiste à utiliser un bain d'eau chaude contenant des sels d'Epsom. Ce type de sel produit de très bons effets cicatrisants pour améliorer l'aspect des ongles de la peau. Les sels d'Epsom permettent en particulier de soulager les démangeaisons et les irritations provoquées par le psoriasis des ongles. De quoi avez-vous besoin? 2 cuillères à soupe de sel d'Epsom, 30 g. Eau, la quantité nécessaire. Que devez-vous faire? Remplissez un récipient avec de l'eau tiède et ajoutez 2 cuillères à soupe de sel d'Epsom. Puis, plongez les ongles dans cette solution pendant 20 ou 30 minutes. Ensuite, séchez bien vos mains avec un chiffon propre et hydratez-les avec une crème à la vitamine D ou avec une huile médicinale. 4. L'huile d'arnica pour lutter contre le psoriasis des ongles. Cette huile d'arnica possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ainsi, elle vous aidera à empêcher les ongles affectés par le psoriasis d'aggraver leur état à cause de l'infection provoquée par les champignons ou les bactéries. De quoi avez-vous besoin? Une tasse d'huile d'olive, 250 ml. 2 tasses de fleurs d'arnica, 200 g. Que devez-vous faire? Mélangez l'huile d'olive et les fleurs d'arnica dans un bol et laissez mariner dans un endroit obscur pendant une semaine ou une dizaine de jours. Après le temps indiqué, filtrez la solution et procédez à son utilisation en l'appliquant sur les ongles endommagés par le psoriasis. 5. L'avoine pour lutter contre le psoriasis des ongles. Cette céréale offre de nombreux avantages dépuratifs et permet aussi le traitement des lésions cutanées. Dans le cas des ongles, l'avoine est également très efficace car c'est un excellent hydratant qui calme les démangeaisons et les douleurs cutanées. Ce traitement à l'avoine est très simple et vous aidera à réduire les symptômes du psoriasis des ongles. De quoi avez-vous besoin? 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 30 g. 1 tasse d'eau, 250 ml. Que devez-vous faire? Ajoutez les flocons d'avoine dans un bol d'eau tiède et mélangez bien. Puis, plongez les mains dans la préparation pendant environ 20 minutes. Vous pouvez également augmenter les quantités de flocons d'avoine et d'eau et prendre un bain complet avec ce mélange.
Cette technique vous aidera aussi à améliorer l'aspect de votre peau. Bien qu'il n'y ait pas encore de remède connu pour lutter efficacement contre le psoriasis, il existe de nombreux traitements disponibles sur le marché. De plus, vous pouvez également avoir recours à différentes recommandations plus naturelles pour vous aider à traiter cette maladie. Le plus important, cependant, est de consulter un spécialiste lorsque des symptômes tels que ceux de cette maladie apparaissent. Ces remèdes naturels vous apporteront des manières complémentaires du réconfort si vous souffrez d'un psoriasis des ongles.